de rester costaud. Je pense qu'on fait d'abord une belle entame de match. On les met sous pression et puis après ils sont un peu mieux, ils ressortent bien et puis on a la chance de marquer quand ils sont bel mieux possible. Donc ça leur met un coup derrière la tête. Puis en deuxième mi-temps, on a été sérieux surtout et on arrive à marquer le deuxième but. Est-ce que tu peux revenir sur ce mois de février un peu intense? C'était un mois de février où tout le monde nous attendait parce que c'était des adversaires de notre calibre, enfin des adversaires qui jouaient le même championnat que nous. On a su être présent à chaque fois, c'est bien. On a marqué pas mal de buts, on a fait deux matchs, on n'en a pas encaissé. C'était très important pour d'une part sortir de la zone rouge et puis de s'en éloigner. Donc on nous attendait là, nous aussi on voulait montrer qu'on était capable de faire quelques matchs avec des victoires d'affilée. On a 4 victoires, c'est bien, on savoure, mais la route est encore longue. C'est bien, c'est motivant, on a fait le plein. On va essayer en mars de faire le plein aussi. Prochain match face à Bordeaux, ouais. Comment vous apprenez cette rencontre? On va déjà se reposer là, 2 jours pour se reposer, donc c'est bien. Puis on va travailler comme il faut, on est sur une belle dynamique, on va essayer de la poursuivre. Contre un très bel adversaire de ce championnat, une très belle équipe. Maintenant on va voir ce qu'ils valent contre nous, on va se battre jusqu'au bout. S'ils sont meilleurs, ben, ils gagneront, sinon ce sera nous.